écoutez, je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette présentation de la formation génie industriel et maintenance. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mon petit collègue va probablement me dire si c'est bon. Ben, je pense que oui, parce que je ne souhaiterais pas parler dans le vide. Non, alors là, il y a un problème, c'est que je ne vois pas le Teams. Donc, si on me pose des questions, je ne peux pas les voir parce que je suis en partage d'écran complet. Alors, pardonnez-moi, je vais procéder par des petits réglages hein, au début. Parce que... on t'entend très bien et les questions, on y répondra à la fin de la présentation, une fois que tu auras fini d'accord. De présenter ta formation. Donc, pas de souci si tu ne vois pas le chat. Super, ben, je te remercie, Maxandre. Donc, je repasse du coup en diapo depuis le début. Hein. Ok, donc le département génie industriel et maintenance. Donc, c'est un département qui accueille des élèves sortant de bac. Donc, on a ça sur la petite plaquette hein, de notre formation, une plaquette qu'on a distribué l'année passée sur les salons. Cette année, elle va changer un petit peu, elle change de format. Cependant, on y trouve quand même les informations donc, en lien avec les bacs d'origine hein, pour la formation génie industriel et maintenance. À savoir donc, des élèves venant des bacs généraux, de spécialités de préférence mathématiques, numériques, sciences de l'informatique, physique, chimie et aussi sciences de l'ingénieur. Il faut savoir que pour mener à bien une formation comme celle-ci, il ne faut pas arriver en ayant zéro bagage en mathématiques, hein, puisqu'on va voir que dans le contenu de la formation, les mathématiques sont un petit peu omniprésentes et il faut quand même avoir un tout petit peu d'aisance dans certaines manipulations mathématiques. En plus des bacs généraux, notre formation accueille en bon nombre aussi des bacs technologiques STI 2D et quelques bacs STL à la marge. Hein. Mais pour vous donner un ordre d'idée sur la répartition de notre public étudiant, on a à peu près 50% de bacs généraux et 45% généraux et 55% bac STI 2D. Donc les bacs STD sont un tout petit peu plus nombreux que les bacs généraux. Voilà, donc ici sur ce diapo, donc vous avez un rappel hein, du schéma proposé par les formations de type BUT. Hein, ce synoptique vaut aussi pour toutes les spécialités de BUT. Je pense que maintenant vous commencez à bien le connaître. Hein. Donc on est bien sûr un parcours de 3 années. Qui va vous amener jusqu'à un niveau de grade licence hein, avec 180 ETTS. Hein, et ce niveau va vous permettre de faire des poursuites d'études soit dans des masters, un master 2, ou soit, et c'est un peu aussi à la base prévu pour, hein, d'aller directement dans le monde du travail, puisque le monde du travail en question vous attend. À ce qui paraît, c'est la crise. Cependant, dans le domaine de la maintenance, il n'y a pas de crise. Hein, c'est un domaine où les entreprises peinent à recruter. Et à trouver des techniciens supérieurs avec un profil, on pourrait dire, d'électromécanicien qui correspond au profil que nous, entre guillemets, nous fabriquons à travers cette formation de 3 années. On pourra quand même remarquer sur ce graphique que possibilité vous est offerte de nous quitter à l'issue de la 2e année de BUT pour tenter votre aventure dans une école d'ingénieurs. Qui pourra vous récupérer la sortie de la 2e année de BUT si votre dossier scolaire est très bon. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour des bons élèves qui ne souhaiteraient pas forcément s'aventurer vers des classes préparatoires, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, hein, puisque une classe prépa, c'est quand même 2 années de mathématiques intensives. Sachant que là, si vous faites un passage chez nous en 2 ans, vous ferez bien d'autres choses que des maths et vous pourrez, pourquoi pas, obtenir à peu près le même résultat que des élèves qui auront fait des classes prépa, puisque vous pourrez aller, si votre dossier est bon, hein, je précise bien, hein, vous pourrez aller vers des écoles d'ingénieurs. Voilà, je passe au diapo suivant. Alors, le but Jim Kesako. Alors, en fait... qu'il faut, pour résumer un petit peu le contenu du GIM, c'est une formation multitechnique pluridisciplinaire. Donc, ça s'écarte assez de l'image qu'on peut se faire d'une formation qui s'appelle maintenance et industrielle, en plus, génie industriel et maintenance. Donc, on a peut-être l'image qu'on peut s'en faire au premier abord, c'est une formation où on va vous apprendre à manipuler la burette d'huile hein, et puis le tournevis, hein. Eh bien, figurez-vous que ben non, c'est pas ça. Il y a d'autres formations hein, qui forment les jeunes à manipuler la burette d'huile et le tournevis. Nous, on est plutôt axé sur l'apprentissage
de la technologie avec un grand T, et puis qui s'appuie sur les sciences de l'ingénieur. Donc, on va avoir des enseignements dans plein de domaines différents. C'est une formation pluridisciplinaire. Et cette pluridisciplinarité, c'est justement ce qui fait l'attrait du GIM. En tout cas, quand on demande aux élèves pourquoi ils choisissent GIM, ben, essentiellement la réponse, c'est parce que c'est une formation pluridisciplinaire, parce qu'elle s'adresse à des jeunes en sortie de bac, STI2D ou bac généraux, qui n'ont pas forcément d'idée arrêtée sur ce qu'ils souhaitent faire après leur bac, sauf que voilà, ils veulent aller vers la technologie, vers les sciences. Mais est-ce qu'ils vont aller vers la méca? Est-ce qu'ils vont aller vers le thermique? Est-ce qu'ils vont aller vers l'électricité, vers l'électronique, vers la robotique? Si le jeune n'est pas trop un peu perdu, ben, en allant vers la filière GIM, il reste sur une formation généraliste. C'est ce qui va lui donner d'ailleurs durant ces 3 années, hein, le temps de réfléchir à ce à quoi et ce pourquoi il est fait. Si son cœur balance pour la méca, il pourra après sa formation GIM aller vers des formations où il pourra se spécialiser en méca. Ou s'il se découvre une passion pour l'électrotechnique, la robotique ou autre, eh bien, il pourra aller se spécialiser après dans ces formations-là. Donc, elle s'adresse finalement à des élèves qui n'ont pas encore une idée très précise de ce qu'ils vont faire plus tard. Pour toujours situer le GIM par rapport à d'autres formations de BUT qui sont très très connues, hein, dans le milieu, à savoir le GMP, génie mécanique et productique, le GE2I, qui est un gros poids lourd aussi en BUT, qu'on va retrouver à Brest et à Rennes. GE2I voulant dire génie électronique et informatique industrielle, si je ne dis pas trop de bêtises. Donc, on a là deux gros poids lourds, hein. Un très, très coloré méca, l'autre très coloré élec. Et enfin, le GIM, ben pour le situer, pour le présenter, ben il va se retrouver un petit peu à mi-chemin entre ces deux grandes formations que sont le génie méca et le génie élec. Voilà pour les généralités de ce qui caractérise le contenu du GIM. J'ai croisé tout récemment un élève à qui j'ai expliqué ça et qui avait l'air assez intéressé. Il me disait, mais ça existe depuis quand? Depuis quand ça existe? Eh bien, pour votre information, l'année dernière, on a fêté nos 30 ans. Donc, ça fait 30 ans qu'à Lorient, la formation existe, hein, mais elle date encore d'avant, puisque 30 ans, c'est l'anniversaire qu'on a fêté, nous, à l'IUT de Lorient. Alors, quand on parle de génie méca, de génie élec, on est bien sur deux grands domaines qui ne se chevauchent pas, hein, qui sont complémentaires. Hein. C'est ça qui va, j'irais, faire de vous, en sortie de diplôme, un technicien qui aura la prétention d'avoir la double compétence, hein, et méca élec. Hein, on dira tout à l'heure qu'il a un profil d'électromécanicien. Eh bien, quand entend-on par génie mécanique, quand entend-on par génie électrique, eh bien, vous avez ici dans ces quelques tableaux donc un aperçu de ce que l'on fait dans notre formation. Donc, dans le domaine du génie méca, ben, c'est tout ce qui est en lien avec la conception mécanique, le dessin assisté par ordinateur. On a quelques projets sur les logiciels tels que SolidWorks. On vous fait découvrir les composants mécaniques à travers la lecture de dessins. On fait un petit peu de fabrication, quelques travaux pratiques de soudure, d'usinage, comme le fraisage, le tournage. Des cours théoriques aussi, en mécanique du solide, en résistance des matériaux, de la mécanique des fluides, de l'hydraulique, du thermique, du pneumatique. Hein, c'est pas dans le tableau, mais on fait aussi du pneumatique. Et puis en lien avec des activités plutôt typées maintenance, hein, de l'analyse vibratoire ou du contrôle des matériaux. Donc là, c'est des domaines qui sont en lien avec vraiment la compétence maintenance, en fait. Hein. Et quant au domaine du génie élec, eh ben, on y retrouvera l'électricité, l'électronique. L'électrotechnique, hein, tout ce qui est en lien avec les moteurs électriques, les variateurs de vitesse, et un volet aussi non négligeable en matière d'automatisme et de robotique, puisqu'on a à l'IUT de Lorient, là en GIM, on a quelques robots sur lesquels nous allons faire travailler nos étudiants. On va rajouter d'autres matières un peu transversales, hein, qui figurent en bas finalement, hein, que je n'ai pas pu cataloguer soit dans le domaine de la méca ou de l'élec. Hein, donc on y trouve effectivement la robotique, la régulation, la cybersécurité aussi, et des choses en lien avec la maintenance comme la maîtrise des risques. Voilà. Et des cours, on le voit tout en bas, hein, organisation et management de la maintenance. Donc là, c'est des cours vraiment orientés maintenance où on explique un petit peu comment, dans les sociétés, on traite cet aspect de la maintenance en termes d'organisation. Voilà. Donc ça, on voit très bien que on n'est pas dans le serrage de vis et ni dans la manipulation de la burette d'huile. Hein. On est vraiment sur une formation qu'on peut qualifier de science de l'ingénieur, et qui s'inscrit dans une démarche de pluridisciplinarité, qui est un peu le même contenu pédagogique que ce qu'on va pouvoir retrouver dans des écoles d'ingénieurs dites généralistes, hein, et qui seront
qui vont balayer aussi tous ces domaines-là, mais à un niveau supérieur, bien sûr. Voilà pour les grandes, le détail des formations. Pour compléter le menu de la formation GIM, on y trouvera aussi quelques enseignements qui sont assez communs à l'ensemble des BUT, hein, comme tous les BUT qu'on peut retrouver. Hein, ils ont tous au moins un point commun, l'apprentissage dans les domaines des mathématiques, de l'informatique, de l'anglais, de la com et un peu de gestion d'administration des entreprises. Donc ça, c'est un petit peu le tronc commun de toutes les formations de type BUT. Ce n'est pas spécifique à GIM, ça. Hein. Concernant la formation à Lorient, elle propose donc deux parcours que les jeunes choisissent à partir de la deuxième année. Donc, on propose dans la filière GIM, et c'est national, hein, c'est deux parcours donc, différenciés, donc ISP, Ingénierie Système Polytechnique, et trois amis, Management Méthode Maintenance Innovante. Alors, ce que nous avons décidé de faire à l'IUT de Lorient sur ces deux parcours-là, c'est qu'en ISP, on y a placé tous les enseignements qu'on faisait auparavant dans notre licence professionnelle qui était en lien avec l'automatisme, la supervision, la mise en réseau des automates. Donc, on va avoir une coloration automatisme dans cette spécialité intitulée ISP. Et pour satisfaire les élèves qui ne sont pas passionnés par l'automatisme, alors on a choisi aussi de mettre en œuvre le deuxième parcours, hein, qui est plus général, en fait, qui reprend un petit peu les enseignements déjà vus en première et en deuxième année, mais où on reste dans une philosophie plus généraliste, moins spécialisée en automatisme, pour que chacun puisse y trouver son compte. Donc après, on va présenter des choses qui sont un petit peu plus communes à l'ensemble des BUT. Donc les heures de cours capitalisent un total de 2000 heures sur les trois années de formation, avec 600 heures de projet, en moyenne 200 heures par an, qui viennent compléter ces 2000 heures d'enseignement. Et donc les cours, comme dans beaucoup d'autres formations de type BUT, sont dispensés sous forme de cours en amphithéâtre, hein, des cours magistraux. Là, on voit que dans notre formation en GIM, ça représente à peu près 15% des volumes horaires. On y retrouvera aussi beaucoup de travaux dirigés en salle de TD, en petits effectifs de 24 étudiants. Et puis enfin, des travaux pratiques qui seront en effectif divisés encore par deux. On sera sur des groupes de 12, 13 étudiants sur des TP, comme ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut voir sur la photo qui est présentée sur ce diapo. Donc les élèves auront quand même pas mal de manip, puisqu'on a quand même pas mal de matériel industriel dans nos ateliers. Là, on a une petite vidéo, hein, qui montre un petit peu l'ensemble de... Enfin, une petite partie de ce que l'on possède dans nos ateliers en termes de matériel. Donc là, on voit des images sur l'automatisme. Ici, c'est de l'usinage. Ici, c'est de l'électricité. Ici, c'est de la technologie mécanique. Ici, c'est encore une fois de l'automatisme. Et quelques travaux pratiques sur les robots. Et de la DAO et de l'imprimante 3D. Voilà, donc... un tout petit aperçu des différentes manips de notre formation. J'en ai presque fini. Hein. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce diapo, parce que c'est le détail du contenu. Enfin, les enseignements sont ventilés sous 5 compétences, hein, qui ont été actées à l'échelle nationale sur les formations GIM. Maintenir, améliorer, installer avec des apprentissages critiques, des compétences associées. Je ne rentre pas dans le détail, c'est des choses que les élèves découvriront en cours de route. Hein. On va quand même rappeler que dans les BUT, c'est général à tous les BUT, hein, il n'y a pas de section d'examen en fin d'année, c'est du contrôle continu. Un petit mot sur nos partenaires industriels. Alors, la formation, elle est présentée donc à compter de la deuxième année, elle est proposée par la voie de l'apprentissage. Donc, un étudiant, quand il vient en GIM à Lorient, il va partir sur un parcours de 3 années. La première année, elle est pour tout le monde formatée en format formation classique, donc pas d'alternance et pas de stage non plus pour la première année. Dès la deuxième année, les élèves pourront choisir ou non de faire leur deuxième année puis leur troisième année par la voie de l'apprentissage. Donc, on va les accompagner ça va se faire en début de première année, puisque faire l'apprentissage passe par la recherche d'une entreprise, hein, qui va démarrer avant le début de la deuxième année. Donc, à peu près vers le mois de février-mars, hein, de la première année, on va commencer à préparer les jeunes à chercher leur entreprise, accompagnement à la rédaction de la lettre de motivation, du CV. On leur donne des listes d'entreprises, des contacts, et les jeunes prennent leur bâton de pèlerin et ils vont à la pêche à l'entreprise pour aller trouver une entreprise qui sera en capacité de les accueillir pour les 2 années qui vont suivre, hein, dans le cadre de la deuxième année, de la troisième année de BUT, sous contrat d'alternance. Donc, le jeune devient à ce moment-là salarié de l'entreprise.
avec un statut d'apprenti. Ceux qui ne souhaitent pas rentrer dans, cette démarche d'apprentissage pourront rester en formation classique, puisque la deuxième année et la troisième année seront toujours proposées en formation classique pour les étudiants qui ne souhaitent pas rentrer directement dans l'apprentissage. Mais ces élèves qui seront en formation classique devront réaliser un stage en entreprise. En deuxième année, le stage fait 10 semaines et en troisième année, il fait 16 semaines. Pour vous donner une idée des partenaires industriels qui nous accompagnent dans, dans l'accueil des étudiants, soit en stage ou soit en contrat d'alternance, vous avez quelques logos ici qui vous sont présentés. Et si je clique sur ce lien-là, ça marche. J'avais peur que ça ne fonctionne pas. Ça vous donne, au bout de 30 années d'activité à Lorient, ça vous donne un tout petit aperçu du nombre d'entreprises qui accueillent nos étudiants depuis les 30 dernières années. Donc, on a plusieurs centaines d'entreprises dans nos bases qui seront communiquées aux jeunes quand ils seront en recherche d'entreprise. On peut simplement en évoquer quelques-uns des principaux, comme l'usine qui se trouve à Rennes, hein, qui fabrique les véhicules Peugeot. Alors maintenant, ça s'appelle Stellantis, hein, ça a changé de nom, maintenant ça ne s'appelle plus PSA. En local, on a la fonderie de Bretagne, on a le groupe Naval Group, hein, qui fabrique des navires pour l'armée. On a Michelin, on a vraiment tout un panel d'entreprises. Et ici, vous avez dans les documents qui vous sont présentés ici, les effectifs en nombre d'étudiants qui sont allés dans ces entreprises-là. Cependant, cet historique-là ne remonte pas à 30 ans, hein, il est beaucoup plus récent. Donc ça, c'est pour vous dire qu'en termes de partenaires industriels, dans le cadre des contrats d'alternance, ce n'est pas ce qui manque. On va continuer, donc ici, on va parler de poursuite d'études. Alors, on l'a évoqué au premier slide, hein, possibilité de sortir de la formation à la fin de la deuxième année pour aller en école d'ingénieur. Donc, les écoles qui pourront vous accueillir sont relativement nombreuses. Hein. Vous en avez ici quelques exemples, hein, d'écoles qui pourront vous accueillir à la sortie de la deuxième année de BUT. Et si vous n'êtes pas assez, tous les indicateurs ne sont pas au vert à la sortie de la deuxième année de BUT, personne ne vous interdira de retenter votre chance à l'issue de la troisième année de BUT. Cependant, si vous allez au terme de votre BUT en trois années, quand vous irez en école d'ingé, vous partirez pour une durée de trois ans. Vous ne serez pas pour autant accueilli en deuxième année, hein, d'école d'ingénieur, le fait d'être allé jusqu'à la troisième année de BUT. On dira alors que vous serez sur un schéma à 3 plus 3. 3 années de BUT plus 3 années d'école d'ingé. Donc, finalement, l'obtention d'un diplôme en 6 ans. Mais pour les bons élèves, ils pourront tenter un schéma à 2 plus 3. 2 années en BUT plus 3 années en école d'ingénieur. Et donc, au final, un diplôme obtenu en 5 ans. Voilà pour les poursuites d'études. Certains pourront aussi, à l'issue de la deuxième année de BUT, non pas intégrer une école d'ingénieur, mais intégrer une des rares licences professionnelles qui vont rester au catalogue, hein, des licences pro, puisque avec la réforme, hein, où on est passé du DUT en 2 ans au BUT en 3 ans, ben, cette réforme s'est accompagnée par la disparition, hein, de près de 80% des licences professionnelles qu'on avait auparavant et qui disparaissent purement et simplement du catalogue à l'échelle nationale. Hein. Cependant, il en reste quelques-unes. Hein. Je prends à titre d'exemple les deux licences qui sont sur ce diapo et qui sont hébergées dans notre IUT à Lorient. Hein. Et qui vont rester en vie après le passage du BUT. Donc, je fais référence à la licence IMB, donc, qui forme les jeunes à la maintenance biomédicale pour travailler dans les cliniques et les hôpitaux, ou alors une autre licence qui a été mise en place, appuyée par le tissu industriel local en lien avec le maritime et le naval, MINM, hein, métier de l'industrie navale et maritime. Donc, une licence pro qui sera accessible à la sortie de la deuxième année de BUT. Ici, qu'est-ce qu'on a là? Les métiers. Alors, les métiers, c'est difficile de parler de métiers après GIM, hein, parce qu'on est sur une formation pluridisciplinaire. Et donc, elle va permettre à nos étudiants d'aller dans des horizons très, très, très différents. Hein, très différents. On a même des anciens étudiants qui ont mal fini, hein, puisqu'ils ont terminé prof. Hein. Donc, c'est pour vous dire, hein, ça part dans tous les sens. Hein. Donc, parler de métier, évidemment, je plaisante, hein, c'est un métier noble, prof, quand on peut exagérer. Donc, les métiers, pour revenir dans le sérieux, vous avez… Alors, ceux qui vont faire des poursuites d'études, ben, ils vont aller vers des métiers en lien avec les poursuites d'études qu'ils auront faites. Je pense, par exemple, aux écoles d'ingénieurs. Donc, à ce moment-là, on ne va plus aller vers des métiers de technicien, mais plutôt des métiers liés avec l'ingénierie.
Quant à ceux qui vont préférer aller sur le marché de l'emploi à l'issue de leurs 3 années de formation, ils vont pouvoir aller vers des métiers. Alors là, comme ce qu'on a, là, on en a plein, enfin, des techniciens, des responsables, des agents de maîtrise dans des sociétés industrielles, mais pas uniquement que industrielles. Ça part un peu dans tous les secteurs d'activité. Tout bêtement parce que la maintenance, en fait, quand on y réfléchit bien, c'est une fonction qui est nécessaire dans quasiment tous les secteurs d'activité et pas que les secteurs industriels. Je prends l'exemple d'une société que nous sommes allés visiter avec nos étudiants il y a quelque temps maintenant, qui s'appelle le parc Euro Disney et qui se trouve à Marne-la-Vallée. Donc on n'est pas dans l'industrie, enfin pas que je sache, c'est plutôt du loisir. Et figurez-vous que un parc comme le parc d'Euro Disney, ces gens-là, on ne les voit pas, mais c'est entre 50 et 70 techniciens de maintenance à demeure sur site. Le but étant de faire en sorte que le client qui va mettre 200 balles dans un billet d'entrée, parce qu'il rentre avec toute la famille, ça va lui coûter au moins au bas mot 200 €, voire peut-être plus, ben, il n'appréciera pas d'avoir un manège qui tombe en panne. Il veut en avoir pour son argent. Donc les gens là-bas l'ont bien compris et c'est ce pourquoi ils mettent tout ce qu'il faut mettre en place pour empêcher que les manèges tombent en panne. Donc c'est beaucoup de maintenance préventive et aussi quelquefois quand on n'a pas prévu, c'est de la maintenance curative. Un autre exemple donc qui s'écarte un petit peu du stéréotype de ce qu'on peut se donner, de ce qu'on pourrait avoir par rapport au GIM hein, et au caractère un petit peu industriel. Je prends notre exemple hein, volontaire pour me décaler un petit peu. C'est le biomédical qu'on évoquait auparavant à travers la licence pro. Un hôpital, une clinique ne peut pas se permettre d'avoir des systèmes techniques qui vont tomber en panne. Surtout quand ces systèmes-là sont là pour maintenir des clients ou des patients, devrais-je dire, en vie. Donc ça ferait un peu désordre de voir des systèmes tomber en panne et d'avoir derrière quelques morts, parce que ces systèmes-là n'ont pas su rester en état de fonctionnement. Et donc la fonction maintenance dans le secteur hospitalier, elle a toute son importance. Et j'évoquerai un troisième exemple, l'aéronautique. Un avion qui tombe en panne, c'est quelques centaines de morts, quelques dizaines tout au mieux. Mais cependant, voilà, on a là des domaines qui ne sont pas des domaines dits industriels, pour lesquels la maintenance est tout à fait essentielle. Et il y a un autre aussi domaine que je pourrais évoquer, qui est en lien avec un témoignage d'un ancien. Mais je ne vais pas cliquer dessus parce que ça, j'ai peur de déborder après. Ça pointe vers le témoignage d'un ancien étudiant qui travaille dans la maintenance des éoliennes. Voilà. L'éolien, c'est un système où cohabite une éolienne, hein, quand on la prend dans son ensemble, hein, c'est un système où cohabitent le mécanique et l'électricité, puisque à la base, c'est de la méca, c'est des pales qui tournent, qui sont guidées en rotation par des roulements, il y a des engrenages, il y a des multiplicateurs de vitesse, donc il y a quand même pas mal de mécanique, et tout cela sert à faire quoi? Ben, fabriquer de l'électricité. Donc ça veut dire que il faut aussi pouvoir travailler sur ces petits appareils-là qui font quelques centaines de mètres de hauteur pour les plus grandes. Ben, il faut avoir des connaissances à la fois dans le domaine de la mécanique, mais aussi à la fois dans le domaine de l'électricité. Et c'est finalement, à bien y réfléchir, les gens qui sont les plus à même de travailler sur ce type de matériel, comme les éoliennes, ce sont peut-être des gens qui sortiront de cette formation GIM et qui auront cette double compétence en mécanique et en électricité. Voilà, donc, oh là, alors là, les dates, pardonnez-moi, surtout ne les regardez pas, elles ne sont pas à jour. C'est un diapo que j'ai malheureusement pas eu le temps de remettre à jour. Ça fait référence donc aux dates. Donc, mais ça, je pense que vous aurez l'info hein, sur notre site internet et je crois que mon collègue en off, dans les commentaires, vous l'a bien rappelé, hein, les dates des portes ouvertes hein, pour venir nous rencontrer. Donc, de mémoire, hein, ça va se passer le 28 février prochain. Le samedi 28 février, et nous allons proposer une seconde le vendredi 3 non, 28 janvier, pardon, 28 janvier. 28 janvier, je ne vais pas dire des bêtises. 28 janvier, c'est très, très, très bientôt, hein, ça arrive dans quelques semaines. Et on en a une autre de date pour vous accueillir le 3 et le 4 février. Voilà, le 3, c'est un vendredi soir. On est en nocturne à partir de 16h, 17h jusqu'à 20h. Donc, après le boulot, vous pouvez venir nous rencontrer le vendredi soir. Donc, le 3 février, voilà, en espérant ne pas dire de bêtises. Et le lendemain, le samedi 4 février, on continuera à vous accueillir le lendemain. Voilà. Donc, ça clôture ma présentation sur la formation GIM. J'espère ne pas avoir été trop long. Donc, j'ai fermé le diapo et voir si maintenant
J'ai des questions. Ouais, oui, parce que là maintenant, on voit mon écran Teams. Donc, alors, je ne sais pas si je peux vous entendre, si vous me parlez. Maxandre, tu peux me confirmer? Alors là, c'est une belle question parce qu'on est absolument dans la réflexion sur l'accueil des élèves venant de BTS, hein. Et la réponse, elle va vous être formulée dans un délai extrêmement court puisqu'on va ouvrir une application qui s'appelle e-candidature et qui s'adresse aux élèves de BTS pour pouvoir intégrer notre formation de BUT. Et sur ce site-là va normalement être à votre disposition à compter de début de mois de février, je crois, donc c'est hyper, hyper bientôt. Et on y fera apparaître nos critères de sélection de BTS, on va dire les critères d'éligibilité pour pouvoir vous accueillir. Alors, l'électrotech, je vois quand même la spécialité, donc on est encore en discussion, je n'ai pas la réponse encore à cette question, malheureusement. On a actuellement 4 BTS qui sont susceptibles de pouvoir intégrer le GIM, CRSA, SIRA, électrotechnique, donc figure la question. Et j'ai oublié le quatrième BTS, maintenance des systèmes, je crois. Et donc, soit on ouvrira le budget à ces 4 spécialités-là, ou soit on ne l'ouvrira qu'à 3 de ces 4. Et on est encore en discussion pour savoir laquelle on va écarter, si on doit en écarter une, hein. Ce n'est pas encore garanti. Mais ça fait partie des choses dont il va falloir qu'on apporte des réponses dans des délais très courts, puisque dès le mois de février, vous aurez, via la plateforme candidature, hein, vous aurez la possibilité de candidater sur le BUTGIM pour un accueil en troisième année, hein. Donc, je précise bien, ce sera pour une arrivée chez nous en troisième année, donc direct, hein, pour obtenir au moins votre niveau, une formation Bac plus 3. Au niveau des critères de sélection, on va être très regardant puisque notre capacité d'accueil, elle sera assez limitée, hein, sera moins d'une dizaine d'étudiants, hein, pour le but 3. Donc, je ne vous cacherai pas qu'on va être très, très, très sélectif sur les dossiers de candidature venant de BTS, hein. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant, malheureusement, mais via la plateforme e-candidature, vous aurez toutes ces réponses-là qui seront, diront, affichées officiellement. On n'a pas pléthore de candidatures, on est beaucoup moins sollicité que d'autres filières de BUT, comme le BUT HSE, par exemple, qui se trouve dans nos murs aussi à l'IUT de Lorient. Comme le BUT GEA qui se trouve à Vannes et qui se croule sous les dossiers. Et c'est un vrai paradoxe parce que en GIM, on n'est pas inondé par les dossiers, tout bêtement parce que je pense qu'on est assez méconnu finalement des lycéens, où le lycéen qui prend pas la peine d'essayer de voir de plus près ce qu'on y fait va rester sur cette image, je dirais, de surface. Où la maintenance, c'est quelque chose qui a priori ne va pas l'intéresser, alors que quand on a bien compris, ben c'est avant tout une formation sciences en ingénieur, avant d'être une formation maintenance. Et ça peut expliquer ce pourquoi on n'est pas énormément plébiscité. Cependant, on a quand même plus de dossiers que de capacités d'accueil. On a de la sélection, bien sûr, mais la sélection n'est pas aussi draconienne que dans d'autres formations. C'est ça que je veux dire. Et pour aller au-delà de mon propos. Nous avions à la rentrée dernière, là, en septembre 2022, une capacité d'accueil de 76 étudiants et ils n'ont pas été plus de 70 à 71, je crois, à se présenter à la rentrée. Donc, en fait, on ne remplit pas. Donc, ça devrait pouvoir rassurer les élèves qui ont vraiment l'intention de faire cette formation-là. Dès lors qu'ils ont un dossier plus que correct, hein, au niveau première terminale, on va regarder pas mal les notes de première terminale, hein. Je pense que vous avez toutes vos chances de pouvoir nous rejoindre, hein, sincèrement. Il n'y a vraiment pas énormément d'inquiétude à avoir par rapport à ça. À moins que vous ayez des 3 et des maths, des 3 et des 4 en maths en première et en terminale. Si vous collectionnez les 3 et les 4 sur 20, là j'avoue que ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais si vous avez des notes correctes, vous avez vraiment toutes vos chances.
Quel est votre taux d'acceptation? Bon, ben voilà, je l'ai évoqué plus ou moins, hein. Faut-il une lettre de motivation? Oui. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on sera assez attentif aussi dans nos critères de sélection à votre motivation et à vos arguments qui motivent votre fait de vouloir venir chez nous. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que dans notre département, en GIM, et ce n'est pas le cas de tous les départements de l'IUT Lorient, nous ne parvenons pas à trouver des créneaux pour faire passer des entretiens. On a des emplois du temps qui, malheureusement, ne nous permettent pas de nous libérer du temps pour vous convoquer sur des entretiens, ce que font d'autres collègues, hein, d'autres départements de l'IUT. Nous, en GIM, on n'y parvient pas. Donc, il n'y aura pas d'entretien. Donc, le minimum syndical, c'est qu'on puisse au moins vous réclamer cette fameuse lettre de motivation pour qu'on puisse se faire une idée de vos motivations en question, puisqu'on ne va pas vous laisser la possibilité de les défendre de vive voix. Cependant, une petite visite aux portes ouvertes vous permet de vous faire connaître et je ne saurais trop vous conseiller d'y venir. Voilà, j'espère, Isabelle, avoir correctement répondu à ta question. Ben, j'ai envie de dire que un peu quand même, hein. Un peu quand même. Alors, il y a la lettre de motivation qu'on vient d'évoquer qui va aussi avoir toute son importance, hein. Mais je dirais qu'on ira lire la lettre, en fait, hein, pour tout vous avouer. On ira lire la lettre des dossiers tangents. Si un dossier, il est au niveau des notes, il est bon, vu le nombre de dossiers que nous avons examinés, on ne va pas nous gaspiller notre temps à lire des lettres de motivation d'élèves dont on sait qu'ils ont le niveau et qui sont où tous les voyants sont au vert. Donc on va passer plus de temps au niveau des sélections sur les dossiers tangents. Et là, oui, là pour le coup, si les notes sont très mitigées, si c'est très nuancé, que c'est pas très tranché, alors on va aller regarder la lettre. Et là, on y prêtera bien plus d'attention, bien sûr. Parce que c'est peut-être ça qui va faire que l'élève, ben, finalement, on va dire OK, parce qu'il a bien argumenté son truc et qu'il a peut-être su nous expliquer pourquoi il n'avait pas toujours de bons résultats en première et en terminale. Mais si ce n'est pas rédhibitoire, je veux dire, si la lettre, elle est bien construite, si l'argument, il est vraiment bien présent, il n'y a pas de raison qu'on lui ferme notre porte. Voilà. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est quand même plus facile d'arriver avec des super notes qu'avec des mauvaises notes. Ça, on ne va pas se mentir là-dessus, hein. Donc voilà. Voilà, Iris, ma réponse. Il faut que vous arriviez quand même avec des notes pas trop trop mauvaises. J'espère avoir répondu à ta question. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser? Le GIM, c'est très général, donc il y a forcément plein de questions qui tournent autour du GIM. Eh bien, la réponse, elle est un petit peu dans la présentation que j'ai faite, c'est que oui, quand vous allez sur le parcours ISP, donc si vous aimez vraiment si vous aimez vraiment l'automotisme et que c'est vraiment un domaine vers lequel vous souhaitez vous spécialiser, alors vous choisirez le parcours ISP. Si en revanche, c'est quelque chose qui ne vous passionne pas du tout, alors vous choisirez le parcours 3MI. Voilà pour faire une réponse simple. Eh bien, la réponse est oui, puisque pas plus tard que. On est quand là aujourd'hui? On est mardi. Vendredi, j'ai communiqué mes créneaux pour la semaine d'immersion. Donc, Nadine, si tu vas sur le site de l'IUT, tu vas découvrir que nous avons mis en place, effectivement. Alors, j'ai plus la semaine en tête. Je crois que c'est la semaine numéro 7. C'est la Si. semaine du 13 au 17 février et tu pourras commencer à t'inscrire à partir du 23, donc à partir de lundi. Voilà. Donc pour l'accueil des élèves dans la formation GIM, moi j'ai proposé dans la semaine trois créneaux de 2 heures sur une formation qui est trois fois la même, hein, donc vous aurez à vous positionner que sur un seul créneau. Et pendant 2 heures, on va vous accueillir dans une série de travaux pratiques qu'on fait dans notre atelier où on a toutes nos machines. Et j'ai pensé que c'était bien de proposer ce créneau-là parce que ce qu'on fait dans cet atelier, c'est assez représentatif du GIM finalement. C'est un atelier où on touche un petit peu à tout. Donc, on vous accueillera de bon cœur sur un de ces trois créneaux-là. Vous aurez le choix du créneau, hein, sur les trois qui vous seront proposés. Voilà pour la semaine. Et je crois que c'est une semaine où vous êtes en vacances.
Donc normalement, vous devriez avoir le temps de venir nous voir. Alors, il y a de l'informatique, mais ce n'est pas une grande place. On fera, par exemple, beaucoup moins d'informatique que d'automatisme. L'automatisme étant donc une discipline où on va programmer des automates programmables pour pouvoir animer des systèmes mécaniques, avec des V1, etc. L'informatique, alors, elle a aussi sa place hein, dans la formation GIM, bien sûr, hein, mais ce n'est pas une formation uniquement axée sur l'info. Alors, la question, du coup, ça va être qu'est-ce qu'on fait en informatique en GIM? Alors, l'informatique, bah, ça veut dire plusieurs choses, l'informatique. Hein. Alors, nous, l'informatique, on la traite sur deux aspects. Il y a l'informatique typée bureautique, où là, on va avoir des enseignements sur l'utilisation de Word, sur Excel. Et je crois même qu'on fait une petite formation sur le logiciel de base de données qui s'appelle Access, hein, qui est aussi un produit qui appartient à la suite du Microsoft Office. Donc là, on a de l'informatique appliquée, quoi, hein, très appliquée à la bureautique. Et puis, on a à côté de ça d'autres cours d'informatique qui traitent de la programmation pure et dure, quoi. Donc, c'est du langage C++, je crois, enfin, du C, quoi. Ce que vous faites en lycée sous forme de langage Python, par exemple, c'est des choses qu'on refait un petit peu ici en GIM. Mais n'étant pas personnellement spécialiste de ce domaine-là, je ne ferai pas plus de commentaires parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Et là encore, ben, on va se répéter, pardonnez-moi, on va être un peu répétitif, mais aux portes ouvertes, eh bien, vous aurez la possibilité de poser la question de vive voix à mes collègues enseignants de cette discipline-là et vous aurez, je dirais, une réponse bien plus généreuse de la part du prof sur cette matière qu'est l'informatique. Voilà. Eh bien, nos deux IUT, on se connaît bien déjà. On connaît bien Saint-Malo. Saint-Malo nous connaît bien. On enseigne la même formation. Donc, les contenus pédagogiques sont les mêmes, en tout cas sur le papier, puisque nous, dans tous les BUT, hein, les formations de BUT sont basées sur des programmes qui sont nationaux. Et donc, comme c'est un programme national, alors légitimement, on pourra dire qu'à Saint-Malo, vous aurez les mêmes contenus pédagogiques qu'à Lorient. En revanche, la différence peut se faire au niveau des matériels, puisque chaque IUT s'équipe de matériel en fonction des ressources financières dont il dispose et de son université. L'IUT de Saint-Malo dépend de l'université de Rennes 1, tandis que l'IUT de Lorient dépend de l'université Bretagne Sud. Et si les deux universités n'ont pas la même politique en matière d'investissement matériel, on pourra observer des différences sur le degré d'équipement de ces deux IUT. Et je me garderai bien de dire qui de nos deux IUT, de département GIM de Lorient de Saint-Malo, est la mieux dotée en équipement. La meilleure réponse que je puisse vous faire, c'est faites les portes ouvertes à l'IUT de Saint-Malo. Faites les portes ouvertes à l'IUT de Lorient et allez comparer les deux départements GIM, puisqu'effectivement, on est bien deux départements GIM à couvrir le Grand Ouest entre Lorient et Saint-Malo. Sachez d'ailleurs, pour votre information, qu'il y a un troisième département, pas très loin non plus, en GIM, qui se situe à l'IUT de Saint-Nazaire. Donc, on a trois buts GIM dans le Grand Ouest. Voilà. Alors, la grosse partie de nos élèves issus du territoire breton, hein, ça c'est clair. Hein, d'ailleurs, j'ai failli dire un truc hein, pour clôturer le chapitre Saint-Malo, c'est qu'on a même des étudiants qui viennent de Saint-Malo à Lorient. Enfin bon, après, c'est des choix personnels. Hein. Donc ça, oui, on a des élèves qui peuvent venir de... les élèves viennent de partout. Alors, alors nous, on fait les salons à Saint-Brieuc, donc on va recruter des gens de certains lycées de Saint-Brieuc. On a des élèves qui viennent du lycée La Croix-Rouge de Brest, le Diques Quimper, à Vannes, lycée Saint-Jean de Vannes, Pleu-Hermel avec le lycée de Lamennais.
On a Redon avec le lycée Marcel Callot, le lycée Beaumont de Redon. On a à Pontivy le lycée Jeanne d'Arc Saint-Ivy de Pontivy. On a des élèves aussi qui viennent de ce lycée. Enfin, ça vient d'un peu partout, hein. Ça vient d'un peu partout. Et puis quelquefois, il y a quelques années, on a des étudiants qui viennent de bien plus loin, de région parisienne, du nord de la France. Alors qu'il y a des formations GIM plus proches, hein. Il y a 25 départements GIM, sur tout le territoire français. Donc voilà. Et on accueille aussi, dans le cadre de certaines conventions, des étudiants venant de l'étranger, hein, de pays d'Afrique. Afrique et aussi Madagascar. Voilà pour ré la réponse à Nadine. Mais grosso modo, voilà, le gros de la population, elle est quand même relativement locale, hein. On va pas se mentir. Alors, le logement à Lorient, j'ai l'impression que c'est un truc qui a tendance à se généraliser un peu partout. Là, c'est un peu inquiétant. Mais effectivement, y a eu quand même quelques difficultés en début d'année là sur les logements étudiants. Je me suis laissé dire que c'était assez compliqué de trouver. Ça commence à devenir compliqué de trouver un logement sur Lorient. À quoi c'est dû, je ne sais pas trop. Est-ce que, pourtant, j'ai pas le sentiment que la population étudiante, elle monte en flèche, hein, Lorient. Mais j'ai cru comprendre que c'était un petit peu compliqué. Alors, bon, après, faut pas non plus s'alarmer. Lorient bénéficie d'une vraie structure d'accueil pour les étudiants, puisque un CROUS, elle a des logements, elle a des résidences universitaires destinées aux étudiants, hein. On a un campus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et ces éléments d'information-là, vous allez pouvoir les creuser à l'occasion de vos visites aux portes ouvertes, puisque je crois que sur les dates des portes ouvertes, enfin, nous aurons dans nos murs des représentants de ces structures d'accueil qui pourront vous renseigner et vous donner éventuellement des informations bien plus complètes, hein, sur les modalités de logement des étudiants sur Lorient. Ils seront là, je crois, portes ouvertes aux deux, j'espère aux deux. Voilà. Il y a Espacil, ouais, ça me revient maintenant. Espacil. Donc, ça, Les c'est. représentants du CROUS seront présents le 28, samedi 28 janvier de 9h à 13h, puisque c'est les horaires de notre porte ouverte, ou sinon le samedi 4 février de 9h à 17h. Donc n'hésitez pas à passer à ce moment-là, ou à les contacter aussi directement sur leur site. Vous avez un email de contact pour leur poser des questions, hein, n'hésitez pas à les contacter. Complètement, merci Maxandre pour ce complément d'info. D'ailleurs, ça me laisse à penser, Maxandre nous rappelle les heures de la journée porte ouverte du 28. Hein. Vous avez noté que le 28 janvier, ce n'était pas toute la journée. Hein. C'est grosso modo le matin, ça déborde jusqu'à 13h. Donc attention, si vous comptez venir nous voir le 28, venez plutôt le matin. N'arrivez pas à 16h. Voilà. Et la réponse est oui, nous y serons. Nous y serons. Alors, il y a un stand IUT qui globalise les 5 départements de l'IUT. Et nous serons Les chaque. six départements, Fred. On a six départements. On a 6 départements avec le nouveau On a GACO département qui va bientôt. ouvrir en septembre 2023 à Pontivy. Nous avons six Ouais. formations à proposer maintenant. Ouais, voilà. Merci Maxime de rectifier. On a 6 formations. Et. À l'ANESTER, au salon InfoSup, il y aura un enseignant de chaque département présent sur le stand. Ça, c'est quelque chose qui sera. Ça, c'est acté. Hein. Donc, vous aurez, si vous venez nous rencontrer au salon, un enseignant de la formation GIM qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Ah, bah, ça me revient maintenant, en fait. La date de ce salon-là vient se faire au même moment que la. Maxandre, tu me contrediras si je dis une bêtise, mais c'est en même temps qu'une porte ouverte. Le Oui, on a salon InfoSup. fait le choix de faire une porte ouverte en même temps que le salon InfoSup, justement, pour que vous puissiez, si jamais vous faites le déplacement pour venir nous rencontrer sur le salon, faire le déplacement bah, jusqu'à l'IUT, puisque c'est pas très loin. Comme ça, vous pourrez également visiter notre campus. Ouais, c'est ça. Et c'est le 28, hein. C'est bien le 28. C'est bien le 28 janvier, c'est exactement les mêmes horaires que le salon InfoSup du samedi, donc de 9h à 13h. Ouais, pour la journée du samedi. Après, le salon InfoSup, il démarre le jeudi. C'est jeudi, vendredi, samedi.
Donc, il y aura quand même 3 jours de présence enseignant gym sur le stand de l'IUT au salon de la Nester. Le jeudi, vendredi et samedi. Donc 26, 27 et 28 janvier prochain.